j'ai eu l'occasion de rentrer au Vietnam. Et je pense que de dire le mot rentrer, c'est déjà de dire quelque chose en fait. Je retrouvais des personnes qui me ressemblaient, qui avaient une culture, une origine qui était très similaire, mais en même temps, je sentais quand même cette petite différence culturelle. Mais c'était beaucoup moins gênant pour moi en fait. Et je me retrouvais déjà un peu plus chez moi. Ce qui est assez étrange parce que je me sens aussi très bien chez moi en France. En fait, c'est comme si j'avais deux maisons. C'est plutôt agréable, en fait, d'avoir toujours un chez-toi quelque part. Même si il y a toujours des petits trucs, de temps en temps, des petits éléments qui vont te rappeler que c'est pas complètement chez toi quand même. Quand j'y suis, oui, je suis très à l'aise, je suis très content. Et quand je reviens en France, j'ai l'impression d'avoir été arraché à mes racines, alors que je suis né ici en France, quoi. J'ai grandi ici, mais il y a toujours cette impression où quand je suis en France, bah, il y a quelque chose en moi qui manque. J'ai l'impression de ne pas être entièrement moi-même. Et quand je suis au Maroc, là où je me sens bien, où je sais qu'il y a mes racines, bah, je me rends compte que je suis pas moi-même non plus en fait, parce que bah je suis culturellement, je suis français aussi. Quand je suis rentré au Vietnam, en fait, on ne me voyait pas forcément comme un Vietnamien, mais on me voyait plutôt comme un Viet Kieu, donc en fait, une personne qui avait quitté le Vietnam, en fait. Je savais que j'étais différent d'eux aussi, parce que quand j'allais au marché, en fait, les gens ils me regardaient de haut en bas et puis ils me disaient un prix qui n'était clairement pas le bon prix. J'y suis allée qu'une fois, honte à moi. J'y suis allée quand j'avais 16 ans, en 2006. C'est en rentrant que je me suis dit, j'ai eu une sorte de dépression en mode, j'ai envie d'y retourner. Mais quand j'étais là-bas, en fait, je me sentais pas forcément à ma place. Il y avait ce truc de, tu marches dans la rue, on sait que, ça je pense tout le monde le dit, on repère que t'es pas quelqu'un de là-bas. Et ça m'a toujours intriguée. Du coup, il y avait toujours ce truc de, là-bas, je suis perçue comme une Française. Et quand tu reviens ici, on te renvoie à ton pays d'origine. Quand t'es petit, ça va de soi que t'es algérien, que t'es algérienne quand tu vas là-bas. Et plus tu grandis, et plus tu te dis, mais je sais que ma famille est ici, je sais que je suis née ici, mais j'ai de moins en moins d'attaches. Donc est-ce que c'est parce que j'y vais de manière moins fréquente, ou est-ce que culturellement, j'ai un peu pris un autre chemin? Donc je me sens chez moi, bien sûr, parce que c'est mon sang, c'est ma terre. Mais en grandissant, j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse. Et je trouve ça assez triste. Je pense que la conscience d'être une enfant, un ou une enfant d'immigré, ça se fait un peu par palier, quoi. Avant d'arriver à l'école, si tu veux, tu es dans ton cocon familial, rien ne te semble, je sais pas, t'as pas de recul, et puis t'es jeune, quoi. En arrivant à l'école, je me suis rendu compte que ils parlaient pas les mêmes langues que moi. Je me suis rendu compte qu'ils mangeaient pas tout à fait la même chose non plus. Je me souviens avoir eu honte, tu sais, de sortir mon banh mi en sortie scolaire, tu vois, quand tes parents ils te font un sandwich, ou au centre, ou je sais pas quoi, ils disent de venir faire un sandwich, ils arrivent tous avec leur jambon beurre ou autre, et toi t'es là avec ton banh mi et ils sont tous en train de se dire, mais pourquoi t'as de la carotte dans ton sandwich, et toi t'es là, t'as un peu honte et tout, et aujourd'hui tu te dis que les bobos ils payent ça 8 balles alors que ça coûte rien. Le fait aussi de me rendre compte que mes parents parlaient un français assez approximatif, ils n'ont pas fait d'études ici. Et en fait, ils m'ont appris aussi un français dans les premières années qui était assez approximatif. Et comme évidemment, je croyais plus mes parents que quiconque sur Terre, parfois j'arrivais à l'école et je leur disais, mais non, ça se dit pas comme ça se dit comme ça, c'est ma mère qui m'a dit. Et ça m'a fait un peu un choc quand même. Je me sens beaucoup plus légitime en fait en ayant ma mère qui est née en France, parce qu'avec mon père, c'est pas toujours évident. Il a un accent qui est assez fort et du coup des fois on nous prend vraiment pour des étrangers et on n'est pas toujours bien traité. Donc c'était pas toujours évident de composer avec ça justement. Qu'est-ce qui fait que j'ai fui? C'était cette dissonance en fait. Déjà, le fait d'avoir pas de lien, si ce n'est, enfin, de lien historique, si ce n'est ce qu'on me proposait sans aucune explication. Et en même temps, ce qu'on me proposait, que ce soit un hôtel, certains rites, certaines croyances, etc., c'était très incompatible avec le narratif français et mon côté français. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais pas 50-50, que j'étais pas une moitié d'une moitié de je sais pas quoi d'ailleurs,
que j'étais 100% moi avec tout ça et tout cet héritage. Ça a ancré en moi le fait que je fais partie de deux cultures, mais qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Inconsciemment, plus ou moins inconsciemment en tout cas, ça m'a ancré aussi que si je veux réussir, si je veux avoir ces filets économiques, si je veux aller loin et si je veux à peu près cocher le contrat social implicite que la France donne, c'est-à-dire faire de grandes études, avoir un bon job, et comme ça normalement t'as réussi, t'es intégré, enfin entre guillemets assimilé. Pour tout ça, il fallait que je renie un pan de ma culture, il fallait que je la cache. Ça se traduisait en j'invitais pas beaucoup mes copains, copines chez moi. Les rares fois où je les invitais, en fait, c'était de remarques parce que quand ils rentraient, oui, la déco, c'est pas une déco comme chez eux, donc ils me faisaient comprendre. Pour eux, c'est sale et ça sent le curry. Ça, même quand ça sentait pas vraiment le curry, je pense que c'est encore la puissance de la narration. Hein. Disons qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, justement, il y a des fois où je pouvais... J'étais pas forcément moi-même avec certaines personnes et où je devais code switcher, comme on dit. Utiliser ce mécanisme qui fait qu'on ressent le besoin de s'adapter à un contexte donné en mettant en avant certaines parties de notre personnalité et en cachant entre guillemets d'autres. En première, je me suis dit en fait je dois plus être blanche que ce que je suis, enfin que la fille du 93 est racisée. Et du coup tu mets plus en avant ça et ça se caractérise par l'habillement, tu vois. Typiquement, j'étais très... j'étais en internat avant, on avait un uniforme, et j'ai gardé ce côté-là parce que ça faisait très bobo parisienne. Et du coup, pendant toute l'année de lycée, j'étais habillée comme ça, alors que ça ne me correspondait pas spécifiquement, tu vois. Mais ça passe par l'habillement, ça passe par une façon de parler. Toutes ces choses-là, elles s'imbriquent sur toi, alors que c'est pas potentiellement toi. Et du coup, au final... arrivée en fin de lycée, je me suis dit mais en fait ça sert à rien qu'on m'accepte telle que je suis, et sinon nique quoi, on va couper ça, mais tu pleures. J'ai longtemps pensé plus jeune que c'était plus ou moins incompatible d'avoir une identité algérienne et une identité française, déjà par l'histoire qui est assez conflictuelle de base, assez conflictuelle et c'est un euphémisme. Et je sais pas à quel moment de ma vie la transition s'est faite et je me suis dit ok, en fait c'est tout à fait possible, c'est normal et c'est même une richesse. Alors mon rapport avec la France il est complexe. Quand j'étais plus jeune, c'est comme si avec les microagressions et étant enfant, on comprend que ok, il y a une culture qui domine l'autre, il y a une culture qui est plus valorisée que l'autre. L'autre, elle nous met des bâtons dans les roues, en fait. Personnellement, j'ai pas trouvé mieux que de renier une partie de ma culture à ce moment-là, enfant, et de la cacher. Du coup, la France, c'était, mon modèle. Si je dois faire une métaphore, ça fait un peu une relation toxique, une relation d'amour avec un pervers narcissique, dans le sens où je lui dis, mais... J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai fait ce contrat social de surmonter les obstacles, même s'ils sont beaucoup plus nombreux que des personnes dites françaises blanches. Hein. Je fais donc les études, j'ai un bon job, je coche toutes ces cases et malgré tout, tu me montres tous les jours, tu me montres que je ne suis pas française. Je m'étais posé la question de c'est quoi être français, etc. à un moment où on te rappelle toujours que tu viens de quelque part. On te pose cette question, mais tu viens d'où ? Parce que tu viens, t'as l'air tellement exotique et tout. Et donc je m'étais posé, mais non, je suis français, je voulais me réapproprier, dire ouais, je suis franco-rwandais, une sorte de fierté. Et aujourd'hui, pour moi, la nationalité est juste un document. Et être français, pour moi, ça veut dire juste avoir un passeport puissant à l'international. Être français, ça n'a que de sens par rapport à ceux qui ne le sont pas, en fait. Ouais, je suis français et... Et je suis fier en fait d'être français, je suis fier de porter cette définition que j'ai moi de la France, multiculturelle, qui n'a pas besoin de s'accoler une ethnie particulière ou une origine particulière. La France d'aujourd'hui, elle est plurielle, tout simplement. Et moi, je pense que je représente cette pluralité.
que tu ailles aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, peu importe quel pays tu vas, l'identité nationale aujourd'hui, c'est juste une instrumentalisation politique en fait pour garder les classes dominantes au pouvoir, tout simplement. La réalité, c'est que il y a une culture commune, évidemment, mais on ne peut pas parler d'identité nationale. Aujourd'hui, une identité fixe, à part si pour ces gens-là, l'identité, elle inclut une pluralité, mais sinon, non. Je me sens extrêmement française et hyper fière de l'être, autant que mes cultures d'origine, en fait. Et je me suis sentie d'autant plus française quand j'ai commencé à voyager. À l'époque, je me disais, ah, mais... en fait, je suis peut-être pas vraiment d'ici, etc. Je me souviens qu'en 2006, ça fait un moment maintenant, j'avais 20 ans, et je suis allée en Chine pour un stage, et j'avais une espèce de fantasme de retour aux origines de je sais même pas quoi, parce qu'en fait c'était à Pékin et que mes parents venaient pas du tout d'ici, mais peu importe. Et en fait, je me suis sentie extrêmement étrangère, et les gens m'ont... fait comprendre que en fait j'étais pas chinoise et sûrement pas de Pékin. Au final, oui, la vie en Belgique fait que déjà dès que la plupart du temps que je rencontre quelqu'un, on va plus me reconnaître comme une Française que autre chose. C'est ça qui est assez dingue, c'est le fait que il faille partir de France pour se sentir ou être identifiée comme Française. Française, mon pays, ça, c'est la France, et c'est pour ça que j'ai un engagement militant pour faire bouger les lignes. C'est d'ailleurs parce qu'on l'aime aussi qu'on veut faire bouger les lignes. C'est parce que c'est pas normal que encore une énième fois il y ait Marine Le Pen, le parti, le Front National, et pas Rassemblement National, mais le Front National, qui est encore une énième fois dans la course aux élections présidentielles, et qu'encore une énième fois on nous dise que la France n'est pas raciste. Comment est-ce que tu es intégrée dans la vie de tous les jours en France? Comment tu milites? Ou comment tu travailles, comment tu portes ta voix pour que la société française aille dans le sens que tu aimerais qu'elle aille. Je pense que c'est ça aussi d'être français, parce qu'on aime bien râler, donc je pense que le militantisme, ça fait partie de notre culture. Peut-être que c'est ça que j'ai pris le plus en France. Je suis socialisée française, je dis, je fais tout mon parcours scolaire, ma vie professionnelle, enfin, donc en fait, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a rien à améliorer en France. Et je suis même fière d'être française parce que c'est ma vie, parce que mes parents m'ont transmis ça aussi. Pour autant, des fois, je ne sais pas si la France me le rend si bien que ça, quoi, tu vois. Est-ce que la France me reconnaît, moi, dans toutes mes identités, dans mon passé, dans mon héritage, dans ce à quoi elle a contribué bien avant ma naissance, tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Qu'on continue à me renvoyer comme n'étant pas française, ça c'est problématique. Moi aujourd'hui je suis prompte à remettre en question énormément de choses ici et je le dis souvent, ça c'est pas parce que je critique la France que j'aime pas la France. C'est justement quand on aime et qu'on aime sainement qu'on essaie d'améliorer les choses. Et si j'aimais pas la France, en fait je me casserais et je suis là. Être enfant d'immigré, ça a été, pour moi, ça a été un sentiment d'illégitimité toute ma vie. J'ai un faciès, donc asiatiqueté, et en même temps, je n'étais jamais allée en Chine. Genre, moi, on m'envoyait des clichés, genre, ma mère, elle tient un restaurant, mais genre, pas du tout. Enfin, avec tout ça, on ne se sent pas légitime d'être là, en fait, alors qu'on a toute la légitimité d'être là, parce que si on est là, c'est justement à cause de cette histoire coloniale et qu'on ne serait pas là si... si tout n'avait pas été pillé à un moment donné. Et donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ce que je veux transmettre aujourd'hui. Non, mes parents ne parlaient pas du tout français. Donc, tu vois, c'est la première vague d'immigration. Et clairement, on a ces choses-là que nous, en tant qu'enfants, de parents issus de la diaspora, tu remplis les papiers administratifs, tu fais la traduction alors que tu as 10 piges. Toutes ces choses-là, en fait, où tu vois que tes parents ont galéré, ils ont... Mes parents ont fait des études, hein. Mon père a fait des études de bio, ma mère a fait des études de commerce international. Donc ils ont toutes ces notions-là. Arrivés en France, ils sont hommes et femmes de ménage. Être enfant d'immigré, ça signifie avoir deux cultures, au moins deux cultures. Ça signifie devoir en faire plus que les autres, avoir
la richesse de ces différentes cultures aussi. Et puis avoir des parents qui ont finalement mis leur vie entre parenthèses pour le projet de nos vies. C'est quoi l'histoire de ton pays? C'est quoi ton... C'est quoi la nature de ton pays? Et je pense que c'est important que nous, en tant qu'enfants issus de l'immigration, qu'on se réapproprie un peu l'histoire, mais aussi les terres. Aujourd'hui, l'histoire de ma culture, de ce qu'a été la culture rwandaise, était des rares, en fait, commence par cet effacement-là, en fait. Et tant que j'ai pas la vérité sur l'histoire de comment les miens ont été exterminés, en fait, je pense que je pourrais jamais avoir accès à cette culture-là, quoi. En tant que culture effacée, en fait, je pense qu'on peut pas... il faut s'accrocher, mais on peut pas construire le mythe de retrouver la culture. En fait, l'histoire de la culture, c'est même son effacement et comment elle a été décimée, attaquée continuellement, en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment de vivre dans un pays qui a participé à l'extermination des tiens, quoi? Je me souviens, on posait souvent la question de... tu te sens plus algérienne, tu te sens plus française. Et je me souviens que quand j'étais au bled, je répondais aux gens, bah algérienne, évidemment. Mais je me rends compte que c'était une réponse un peu pour... complaisante, pour faire plaisir aux gens, en mode, ouais, je suis avec vous, on est ensemble. Et en fait, je sentais une pression derrière cette question. Et en fait, j'ai plus envie d'y répondre. Il y a plein de raisons qui font que je me sens française à certains moments, et plein de raisons qui font que je me sens plus algérienne à d'autres moments, tu vois. Donc c'est pas une ligne droite et un truc qui bouge pas, immuable, toute l'éternité. Tu vois, moi c'est facile, je dis je suis indien et vietnamien. Bon, voilà, c'est facile, tu vois. Aujourd'hui, mes gamins, quand ils vont devoir dénoncer, ça va être complexe quand même. Hein. Faut du temps, ça va être très long. Et donc du coup, c'est une vraie question qu'on se pose, parce que du coup, quelle origine de... Il est là. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà important pour moi, il est là. Donc maintenant, si un jour tu as vraiment le temps d'écouter, tu vois, parce que tu sais, quand on raconte notre métissage, on est toujours à l'endroit de l'exotisme. Si t'as pas le temps d'entendre mon récit, ne me demande pas mes origines, en fait. J'ai vécu un peu dans cette hybridité, on va dire. Déjà même au sein, en tant que Sénégalaise, tu vois, il y a ce côté, t'es Sénégalaise, t'es Soninké, t'es Peul. Quand tu dis Sénégal aux gens, ils vont dire Wolof. Et du coup, déjà, quand tu dis Soninké, t'es un peu à part, quoi. On a un mélange de quelque chose, on ne sait pas quoi. Aujourd'hui, je me sens plus panafricaine, au final, que... sénégalaise ou soninké. Une fois, je me sens marocain, une fois, je me sens français, une fois, je me sens les deux, et une fois, je me sens je ne sais pas. Aujourd'hui, je dirais que je suis totalement à l'aise avec mon identité, ma double culture. J'en suis très fier. Et au contraire, j'ai l'impression que des gens comme moi, qui ont plusieurs cultures, en fait, on représente la France d'aujourd'hui et de demain. Si on renvoie uniquement à cette partie française, c'est pas l'entièreté de ma personne, quoi. On peut être française et plein d'autres choses, je crois. Vraiment.